Alors, le PS1, c'est la formation basique de secourisme, qui veut dire prévention et secours civique de niveau 1. C'est une formation qui est peut-être basique, mais qui est une formation essentielle, parce que c'est grâce à cette formation que demain, on peut sauver une vie. Face à une urgence vitale, une hémorragie, un étouffement, une perte de connaissance, un arrêt cardiaque, ce qui est important, c'est ce que peut faire le premier témoin de la scène, qui va pouvoir, en attendant l'arrivée des secours, commencer des gestes simples, et qui vont permettre de faire survivre la victime en attendant l'arrivée de renforts, que ce soit pompiers, ambulanciers. Si ce témoin n'est pas là, si ce premier moment n'est pas là, la chaîne de secours va se mettre en place, malheureusement, avec du retard au niveau efficacité, et donc un taux de survie bien moindre. Le service civique, ça veut bien dire ce que c'est. Or, le secourisme, c'est avant tout du civisme. Donc, ça me semble en effet important que dans le cadre du service civique, on ait intégré cette formation, une formation pour le citoyen. Et en effet, service civique sans formation de secourisme, pour moi, il y a un manque. Donc, je pense que c'était important en effet que la loi le précise et le rajoute à ce niveau-là.